Alain Bideau. Oh yeah. Pour moi, c'est peut-être un Parisien, mais c'est surtout un Français qui a été très bien pointé. Oui. Oui. Et je suis sûr que si Frédéric demandait au délégué français comment il est, il dirait « Je suis serein ». Et pourtant, il s'agite. Ah oui, alors. Joël Marchandise. Au tir, oh, mais légèrement court. Ouais. Elle était belle, cette boule montée en l'air, il ne comprend pas. Il a dû en plus tomber sur quelque chose, regardez. Il regarde à l'impact. Ouais. On va peut-être le voir sur le ralenti. Elle monte. La Pouzzolane Auvergnate, puisque c'est son nom. Ça a éclaté quand même. Ouais. C'est le nom du revêtement ? C'est un peu ça, oui. Cette partie rouge, c'est de la Pouzzolane. Mais là, il n'y a pas que ça. Hein. C'est un... Il faut être presque chimiste et ingénieur pour faire ce truc-là. Alors Michel Van Campenhout va quand même pointer. Oui, parce que la boule est derrière. Et il va pointer, il sera sûrement face à la boule s'il peut. Et s'il est un peu long, ça l'arrête. Voilà, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon ce Michel Van Campenhout. Je pouvais vous dire que c'est là qu'il essayait de la mettre. Je ne savais pas qu'il la mettrait. C'est superbe. Alors bien sûr, il y a danger à tirer, mais celui-là... Il va à Rome, ce loir, sans trop se poser de questions, en espérant que les dieux y seront favorables. Voilà, vous avez vu la situation, vous avez vu la boule. Michel Loi aussi. Vous de regarder, il est long. Pas droit. Ça bouge un peu de l'autre côté. Ouais. Ah, faut calmer le jeu, là. Curieux pour des joueurs chevronnés comme ça qui ils ont tendance à, quand les Belges sont en pleine réussite, de jouer trop vite. Ouais. Bon, ils vont parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a aussi une espèce de rythme là, à la pétanque. Quand un tireur est en pleine euphorie, là, s'il faut qu'il attende 10 minutes pour tirer une deuxième boule, c'est pas sûr que ça se passe comme pour la première. Bien sûr. Bon, mais je veux pas dire qu'il faut ne pas respecter le règlement. On a 3 qu'à 1 minute pour jouer une boule. Oui, mais il faut la prendre cette minute. Voilà. Alain Bideau est donc obligé de retourner pointer. Ah, il est court. Eh oui. Il est court parce qu'il voulait lui rendre la monnaie de la pièce. Regardez les 3 boules, elles sont alignées. Oui, exact, elles sont bien en ligne. Ah, mauvaise main qui se dessine. Eh oui, Michel Loi est trop contracté, il devrait se décontracter, pourtant il semblait bien dans la partie, bien non. Didier Choupet lui demande s'il la sent cette boule. Visiblement non, il la sent pas. On dirait que c'est Choupet qui est le plus en confiance actuellement. Oui. Et à son attitude, si elle ne nous trompe pas, Jean, je crois qu'il va tirer. Il va tirer, il est décidé. Enfin, quand une équipe commence à jouer le tourbillon, là... Oui, c'est jamais bon signe. Jamais bon signe, général. Il faut tenter quelque chose. Ah oui. On est au pied de la boule. Moi aussi, je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai vu. Droit, mais court. Eh bien, les gars, là, il faut essayer de... C'est vrai. De garnir. Michel Loi fronce les sourcils. Ah, il peut leur faire aussi un devant de boule avec ses portées magnifiques. Oh, superbe. Ouais. Et face au bouchon. Ah, oui. Joël Marchandise avait déjà bondi après les tirs. Il faut qu'il gagne le point d'abord. Ouais. Mais enfin, il a mis, disons, un voisin. Parce que là, celle-là, boule, elle a l'air fortement concernée. Là. Celle-ci, elle joue. Elle joue, oui, tout à fait. Elle joue, mais je suis pas sûr que... Parce que je vois pas notre ami Bideau bien souriant. Ouais, mais non pas repris. Sur l'image, on le voit... À peu près, qu'ils n'ont pas repris. Là, lui, il a un beau jeu. Enfin, il a beau jeu. Oui. Il
faut y aller. Hein. C'est relatif parce que... C'est loin, c'est loin. Il est menacé par une main terrible des Belges. Bon, il va essayer de jouer la boule. Il va essayer de se mélanger, mais là, s'il est un peu long, c'est pas grave. Il peut rentrer la boule à loi, il peut s'appuyer sur l'autre. Ah, la pire des choses qui pourraient leur arriver. Absolument. Ça, ça peut être une catastrophe pour eux. Ouais. Il s'est mis juste derrière celle de Michel Louet. D'ailleurs, Alain Bidot. Regardez-le. Fait le tour. Il t'aurait mieux fait de la manquer, presque. Eh oui, mais il n'y peut rien. Elle est trop bien jouée, cette boule. Regardez sur votre écran. Je tremble pour eux. Je tremble pour eux parce que. Et elle revient entre le bouchon et la boule devant. Ils ne sont pas chanceux. Ah non, non, ils n'ont pas de chance depuis le début de cette partie. Et là, si jamais le bouchon part, c'est un désastre. Ça va faire 12. Oh. Bon, une en moins. Oui. Et Loïc, ça fait deux fois qu'il nous fait le tir. Oui, il faut qu'il le fasse plus souvent parce que nos Français, là... Oui. Pour les faire revenir au moins. Oui. S'il revenait à égalité, peut-être qu'il serait remis en confiance. Ouais. Celui qu'il faut craindre le plus, c'est bien Claudie Weibel, celui qui vient en rond. Allez, Claudie. Milieu de triplette par excellence, il pointe, il tire. Si là, il faudrait lui mettre des menottes pour qu'il ne soit pas dangereux. Oui. Il paraît que ça ne se fait pas, la pétanque. Non. Le mouvement. Oula, et aïe, aïe, aïe. Bon. Ah, que c'est bien réussi. Oui. Mais c'est moins bien réussi que ce qu'il comptait peut-être. La boule a tellement été frappée franche, je ne sais pas si on va voir l'impact. Ouais, mais est-ce qu'il tirait? Tac, oui, est-ce on voit l'impact. Il avait peut-être un peu l'espoir de frapper les deux. Il a touché le cochonnet. Vous allez le voir sur cette image. Voilà, on a bougé un peu le jeu. Il y en a deux par terre. Si le cochonnet bouge un peu plus, c'est moins méchant pour les Français. Mais là, mais il n'a pas bougé assez. Ils sont menacés par un troisième. Et le troisième viendra peut-être de Michel Van Kampenhout. Il faut qu'il joue bien sa boule. Et qui sera enterré. Écrasé. Il y en aura donc 10 deux à 5. 10-5 pour les Belges. Voilà, c'est ça. Alain Bidot, face des